Salut, nous retournons avec un autre exercice ouais, qui marquait condition imbriquée avec if, qui c'est si en français. If c'est anglais, si c'est français. Donc, parler de condition imbriquée. Là, parler de condition imbriquée, c'est condition si hein, qui répétait plusieurs fois en dans un seul grain exercice. Donc, nous allons voir comment nous sommes capables de faire un petit peu plus rapide ensemble avec un des tutos, les amis, qui l'a pour. Ou même qui peut abonner ensemble avec Chanel, pas oublier faire ça. Juste marquer One Day Tuto TV et puis abonner ensemble avec Chanel. Partager vidéo nous pour aider les amis, les familles, pour une vidéo pour être capable à l'aise dans Excel. Et puis, pas oublier commenter, poser des questions ensemble avec One Day Tuto qui vient rapport ensemble avec Excel. Donc, on allait pour nous être capable de répondre avec question ça. Question ça, vous posez, hein, qui dit si l'âge est inférieur à 5, c'est un bébé. Ça veut dire à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans et demi. Donc, en début de tout, vous dit vous écrit bébé. Vous dit si l'âge là, si l'âge est inférieur à 20, je dis, c'est un adulte. Ça veut dire, puisque bébé a été plus petit que 5, donc à partir de 5 jusqu'à 19, je mettais adulte. Et bien, si vous avez une condition, ça ne va pas respecter, eh bien, qu'on est monté à haut, vous son vieux, vous son vieux. On allait pour nous, dans l'exercice-là, pour nous, qui ça nous capable. Pas oublier que toute formule en Excel nous toujours tout ça, pour pas jamais oublier. Ni commencer par un signe égal. Puisque nous avons résolu l'exercice là avec condition si, en anglais c'est if. Nouvelle parenthèse, non? Première condition, l'âge là, égal à, pas égal, c'est inférieur. Inférieur à qui ça? À 5. Ouais. Si l'âge là inférieur à 5, qui ça veut dire nous mettez? N'a écrit pour lui, ouais, bébé. Et puis nous fermons écoute. Première condition n'a pas fini. Nous allons passer pour deuxième condition. Si, ou if, nous faisons parenthèse pour nous appliquer deuxième condition. C'est qui ça? L'âge. Mais si l'âge est inférieur à 20, mais si l'âge inférieur à 20, là, qui ça veut dire de mettre pour lui? Adulte. Pas oublier, côte. Nous fermons. Mais s'il n'est pas ni bébé, il n'est pas ni adulte, donc ils sont vieillards. Ok? Donc là, s'il n'est pas ni bébé, s'il n'est pas ni bébé, il n'est pas ni adulte, ils sont vieux. Ils sont vieillards. Mais qui ça fait? Mais on met vieillard, virgule, code, vieillard. Et puis on fait un code, non? Donc, qui ça nous fait? Pas oublier que nous avons ouvert deux parenthèses. Pas oublier de nous ça? Ouvert 10 parenthèses en Excel, ou a fermé 10 parenthèses. Mais nous avons ouvert deux, nous avons fermé tous les deux. Et puis l'infini, qui ça nous fait? Nous valider. Donc, ouais, à partir de 25 ans, ou son vieillard, parce que si l'âge là est inférieur à 20, ça veut dire à partir de 20 jusqu'à ce qu'il le côté le bras là, on sait que son vieillard. Ouais, et puis, ou valider pour l'audio. Donc, après, c'est seulement là, la one des tutos amis, qui sont bébés. Donc, pour qui ça? Parce que l'âge là est inférieur à 5. Donc, ou même, qui peut abonnez ensemble avec Chanel là. Abonnez. Partagez vidéo nous. Et commentez. Et puis, pas oublier tout. Bon, nous un like dans la vidéo. Merci. À la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.